Je chasse rapidement de mon esprit les sombres idées qui viennent de le traverser, mais j'ai l'impression que, comme des mouches autour d'un pot de miel, elles finiront par revenir. Nous vérifions chacune des issues du complexe. Elles ont toutes été bloquées d'une façon ou d'une autre. « Ce n'est pas possible !» s'écrie Sergueï. « Une seule personne n'a pas pu faire ça aussi vite !» C'est vrai qu'un tel piège semble nécessiter bien plus d'énergie que celle qu'un être humain normal aurait pu déployer en une nuit. Dans tous les cas, la présence de la sinistre musique qui résonne depuis hier s'explique. C'était sans doute pour masquer le bruit de toutes les manœuvres qui ont eu lieu à la lumière de la lune. Nous essayons plusieurs solutions pour forcer les différents passages. Nous arrachons même un banc pour nous en servir comme d'un bélier, mais nous devons nous rendre à l'évidence. Nous ne pouvons pas fuir. Pas par là, du moins. Thaddeus prend la parole. Il faut qu'on descende dans le métro. On peut repasser par les tunnels et sortir à une autre station, sur le Grand Prospect. Dans les faits, il a raison. Mais ça me semble bien trop beau qu'on nous offre une si belle porte de sortie. Je décide d'objecter. Non, celui ou ceux qui nous ont piégés sont malins. Ils savent que la station du Prospect est la plus proche et est notre seule issue. Dans le meilleur des cas, ils nous attendent à la sortie. Dans le pire, ils nous prendront en embuscade dans le tunnel, j'en suis sûr. Par où veux-tu passer alors? On va se perdre, c'est sûr. Je réfléchis et me dirige vers le plan le plus proche. Quelques secondes d'observation me redonnent espoir. Il y a une grande gare ferroviaire qui dessert le complexe olympique. Anciennement, elle était utilisée par les longs courriers. Elle est reliée à cette station via des galeries. On peut y accéder et sortir par là. En plus, devant la gare, on trouvera sûrement des véhicules qu'on pourra utiliser pour s'enfuir. Nos ennemis s'attendent à ce que nous revenions sur nos pas, pas à ce que nous passions par une autre issue. Thaddeus me toise. Je devine qu'il a l'intention de me tenir tête. Tu l'as dit toi-même. Ils sont malins. En prenant l'issue la plus proche, nous leur offrons nos têtes sur un plateau. Sergueï l'approuve d'un hochement de tête. Ils m'énervent tous les deux. Ils veulent nous faire tuer. Me faire tuer. Et c'est hors de question. J'observe Thaddeus. J'ai fait la guerre. Je connais l'âme des hommes. Il sent que je ne vais pas dans son sens et se tient prêt à me sauter dessus si je lui résiste. Mon fusil est sur mon épaule. Le temps que je l'empoigne et que je mette en joue, ils m'auront maîtrisé et peut-être déjà tué. Je réfléchis à toute vitesse. Recule immédiatement. Je te rappelle que si je ne rentre pas au camp avec vous, vous serez tous les deux exécutés. Thaddeus inspire et obéit. Mais je vois qu'il est toujours prêt à attaquer. Je me garde de faire le moindre geste offensif. Ça y est, j'ai trouvé un plan. C'est entendu. Passons par le métro. Je vois dans les mines qu'ils font qu'ils ne me croient qu'à moitié. Je dois les convaincre. Avec ce qu'il nous reste de nourriture, on peut encore tenir quelques jours. Je propose de ne pas sortir à la prochaine station, mais à la suivante. On trouve un véhicule et on rentre au camp. Je parlerai en votre faveur et vous serez amnistiés, comme convenu. Les deux hommes se regardent et hochent la tête. Thaddeus prend la parole. Parfait. Je te rassure, camarade, nous avons tous l'intention de partir d'ici vivants. Et le seul moyen de le faire, c'est de rester unis. Il parvient presque à me convaincre. Sans plus de palabres, nous suivons les dédales qui aboutissent au grand escalier mécanique qui descend dans les profondeurs de la ville et le métro. Si tu n'y vois pas d'objection, je vais passer devant et Sergueï va fermer la marche le temps de notre descente. Fais Thaddeus. Je suis piégé. Je ne peux pas refuser, sinon ils vont se méfier. C'est malin. La pente de l'escalier est raide et fait plus de 200 mètres de long. Si je tue Thaddeus devant moi, Sergueï me poussera. Je tomberai et la chute sera sans doute mortelle. Je me résigne. Patience, patience. Le silence est pesant. On n'entend rien à part nos pas et nos respirations. Thaddeus éclaire la remontée mécanique qui se perd dans les ténèbres. Je n'ai pas aimé y descendre la première fois. La seconde est encore pire. Enfin, le faisceau lumineux éclaire une sorte de minuscule guichet en forme de maisonnette. C'est là que, d'habitude, se trouvent les employés chargés de surveiller la descente des passagers. Nous arrivons sur les quais. Il faut prendre la direction du centre-ville. On ne devrait pas avoir à marcher très longtemps. Quelques heures, tout au plus. J'ouvre la marche, suivi de près par les prisonniers. Je sais que s'ils ne me tuent pas, c'est juste parce que je suis indispensable à leur liberté. J'entends un bruit suspect qui me fait m'arrêter brusquement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Thaddeus en chuchotant. « Silence, j'ai entendu quelque chose. » Nous attendons quelques instants. Un bruit similaire à celui que je viens d'entendre se produit. « Vous avez entendu ?» Les deux hommes émettent des sons d'approbation.
Je désigne l'obscurité d'un coup de menton et fais basculer mon fusil entre mes mains. « Ça vient de par là. Je vais jeter un coup d'œil. Restez là et faites en sorte de m'éclairer correctement. » C'est Thaddeus qui tient la lampe. J'avance en pointant mon arme vers les ténèbres. « Alors, qu'est-ce que tu vois ?» me demande Thaddeus. Sa voix m'indique qu'il est à une dizaine de mètres de moi. J'inspire. Je vais mentir. « Il y a quelque chose ?»« Quoi ?» Je me retourne en une fraction de seconde, le fusil à l'épaule. Je suis ébloui par la lumière, mais je distingue une silhouette noire à côté du point lumineux. C'est Sergueï. Je vise et mon doigt presse la détente une première fois. Je ne réfléchis pas. Instinctivement, j'oriente le canon vers la lumière. Je sais que c'est Thaddeus qui porte la lampe. Je fais feu une seconde fois. Un cri de douleur suit mon tir. Le faisceau lumineux vrille et tombe au sol. Il transforme les aspérités du sol en ombres horribles qui vont s'éclater avec difformité sur les parois bombées du tunnel. J'approche, remets mon fusil sur l'épaule et récupère la lampe au sol. Le faisceau éclaire le corps de Sergueï. Je le braque un peu plus loin. Thaddeus est blessé à la cuisse. Il a trébuché sur un rail et peine à se relever. T'avais qu'à m'écouter et ne pas contester mes ordres. Il se retourne vers moi avec un cri de douleur. Il ne peut pas me voir car la lumière l'aveugle. Oh, imbécile, sans moi, t'es un homme mort. Tu vas creuser ta propre tombe. Jamais ils ne te laisseront en vie. Je dégaine mon pistolet. Parce que tu sais qui se cache ici ? Il se tortille comme un ver en se tenant la cuisse. Bon sang, mais t'as pas compris ? Je le braque. Mais ouvre les yeux, ils ne sont pas tous. Je presse la détente. Ces mensonges ne m'intéressent pas.